C'est quoi ton plan? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais c'est ce que j'ai toujours voulu dire à Binny. Elle n'arrête pas de me dire ce que je dois faire. Oui, avance. Avec mon corps de fantôme, ça ne marche pas. Toi, tu vas te glisser dans son corps. Dans son corps, elle? Ouais. Mais je croyais qu'on ne le faisait qu'avec une seule personne. Oui, mais là, est-ce que tu as une meilleure idée pour les empêcher de s'enfuir? Accepte, s'il te plaît. Allez. Mais comment on peut marcher avec des chaussures pareilles? J'ai l'impression d'être à moitié habillée. Oh, quelle odeur agréable! Oh, il sent vraiment très bon ce parfum! C'est la première fois que je sens quelque chose depuis 100 ans! Chérie, allez, viens. Toi, tu ne me touches surtout pas, tu n'es qu'un pour rien! Sarah, qu'est-ce qui te prend? Il ne m'appelle pas! Oui. Tu as raison de m'appeler Sarah, étant donné que c'est mon nom, mais attention, je ne veux plus que tu me touches. Oh non, pas les journalistes. Bonjour. Quels sont vos projets? Vous allez vous installer à Monaco, hein? J'ai l'intention d'abord de... une seconde, je vous prie. Je ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais? Puisque je me trouve dans un corps humain, j'ai l'intention de m'amuser un tout petit peu. Bon, alors tu... Oh, veuillez m'excuser, mais... Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé. Stéphane, est-ce que vous pouvez confirmer que pour jouer dans votre nouveau club, vous avez accepté de gagner moins d'argent? Oh, ce n'est pas un problème, on a largement de quoi se débrouiller. Et puis, quand on veut s'offrir des cadeaux, eh bien, on a l'argent du pari. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, j'aurais pas dû dire ça. C'est vrai, c'est un secret. Écoutez, ce n'est pas qu'on refuse de répondre à vos questions, mais on a un avion à prendre. Non, j'ai dit pas de touche. Non. Oh. Oh, oh, Stéphane, je crois que là, tout le monde peut voir tes billets. Oh, mais dites-moi, ce ne serait pas le ticket du pari, par hasard? Rendez-moi ça tout de suite. Ah, est-ce que vous pourriez nous expliquer pour quelle raison vous êtes en possession de ce ticket que Mats Kessler aurait soi-disant utilisé pour s'enrichir?